DGI, il partait toujours à la recherche de terrain afin de construire un bâtiment public pouvant loger le bureau de la DGI. Aujourd'hui, le recherche a laissé dans les responsables de la DGI à Morvins de doter la ville de Denaïve de bâtiments fondamentaux pour loger le bureau de Denaïve est devenu une réalité. La population de Naïvienne en est fière. Le bureau de la DGI bien équipé offrira de meilleurs services en étant record. Les habitants de la zone de Décao sont justes. La DGI est chez eux à Décao. Je profite l'occasion pour l'environnement du bâtiment de la DGI de le protéger, de le tolérer aucun graffiti sur les murs. Au nom de la population de Naïvienne, qui éprouve une immense satisfaction en regardant ce bâtiment flambant neuf de la DGI, je dis merci à tous les gouvernements, particulièrement au président de la République, son excellent Jovenel Moïse, au premier ministre Jacques Guy Lafontaine et à toutes les autres autorités qui ont contribué pour permettre à la cité de l'indépendance d'avoir ce local. L'honorable sénateur Lévi Latortue, l'honorable sénateur Daniel Cantave, mes remerciements vont également au directeur général de la DGI, M. Miradin Morlan, pour sa détermination à faire loger les bureaux de la DGI dans les espaces appropriés. Merci, directeur général, pour le bureau de Guénaïve. Ce nouveau bâtiment vient mettre fin à cette longue traversée du désert, qu'on connaît aussi bien le personnel de la DGI que les usagers guénaïviens qui ont et d'accueil difficile. Encore une fois, merci au gouvernement de la République qui ne nous a jamais marchandé son concours à travers le gouvernement de la République qui ne nous a jamais marchandé son concours à travers le ministère de l'Économie et des Finances pour faire de ce rêve cette réalité palpable. Les besoins sont immenses, mais les moyens disponibles sont limités. Il nous faut persévérer pour offrir aux millions des concitoyens de l'arrière-pays des locaux attrayants et équipés. C'est une œuvre de longue haleine qui devra s'inscrire dans la durée. Nous avons parcouru le pays d'est en ouest, du nord au sud. Et nous avons relevé de nombreuses difficultés auxquelles nos contribuables font face dans l'exercice de leurs obligations citoyennes. Des efforts immenses sont déployés ces dernières années pour apporter à une amélioration urgente à nos infrastructures physiques et offrir des services de qualité. Aujourd'hui, Guénaïve fait suite à Jacmel, Jérémy, le Cap Haïtien, Rèche, Bellance, Marigot, Saint-Louis-du-Nord, Aquin, Verrette, pour ne citer que cela, où on érigeait des immeubles assez coquets. D'ici peu, ce sera le tour, comme c'était le cas d'hier, pour la ville de Montbalet. Nous n'allons pas arrêter en si bon chemin. Nous allons revoir l'ensemble de nos infrastructures physiques à travers le pays. La cérémonie de ce matin est aussi une occasion de plus pour emporter le citoyen à remplir scrupuleusement ses obligations fiscales. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorables parlementaires, Excellences Yves-Marie Péan, distingués invités, Mesdames, Messieurs,
L'État ne vit que de vos contributions. Nous ne pouvons rien sans vous. Et la diminution drastique de l'aide publique internationale vient ici nous interpeller. Aussi, nous demandons à tout un chacun, grands et petits, de prendre. Nous devons compter davantage sur nos propres ressources et nous souvenir de notre glorieuse indépendance que nous avons célébrée il y a peu dans la cité, vient nous rappeler combien il est important de mettre tout en œuvre pour réaliser notre indépendance économique et rééditer la geste héroïque de nos dignes aïeux. Mesdames, Messieurs, c'est l'occasion pour nous de mettre l'accent sur les impôts communaux. Si en tant que propriétaire d'immeubles, vous n'acquittez pas l'impôt locatif, la mairie n'aura pas les moyens nécessaires pour assurer les services de base dans la cité. Si vous ne remplissez pas votre déclaration définitive d'impôt sur le revenu, l'État ne disposera pas les fonds nécessaires pour accorder des dotations financières satisfaisantes à votre collectivité en difficulté. Nous devons également porter à l'attention des cadres et du personnel de la DGI des Gonaïves que nous attendons pour bientôt les retombées de cet important investissement. L'administration a entendu vos cris et répondu à votre appel pressant. Vous disposez désormais d'un immeuble assez spacieux et de conditions de travail avantageuses. Nous vous demandons, en retour, de vous adonner complètement à votre tâche, de mettre tout en œuvre pour atteindre les prévisions de recettes qui vous ont été fixées pour l'exercice en cours. Vous serez jugé à la fin de l'année à l'aune de vos performances. Nous exhortons enfin tous ceux qui ont toujours rempli leurs obligations citoyennes, leurs devoirs d'agent fiscal, à persévérer dans cette voie royale pour ancrer définitivement dans les esprits le caractère hautement symbolique de l'acte de payer l'impôt. Nous invitons l'assistance pour terminer à méditer sur le slogan suivant. Mais ces citoyens, moi mes pays, m'a payé l'impôt. Moi, ce citoyen, m'a payé l'impôt à taxe pour payer le passé. Je vous souligne, le président de la République, les documents d'identité constituent un élément fondamental du droit à la sûreté de la personne humaine que l'État a le devoir de fournir à ses citoyens. Ils leur permettent de prouver leur identité, de prendre contact avec l'administration publique et de réaliser diverses activités de la vie civile. En mettant ces structures au service de la population, l'État haïtien s'attaque également à d'autres défis non moins cruciaux. Car la problématique de l'accès
au document d'identité est hautement lié à celle de la sécurité intérieure et juridique. En effet, à l'heure de la prolifération des réseaux transnationaux de crimes organisés, il devient de plus en plus urgent pour l'État haïtien de pouvoir identifier ses ressortissants et de garantir leur protection. De plus, la complexité de la réalité des conflits fonciers auxquels nous faisons face tous les jours en Haïti. Dans de nombreux cas, des conflits fonciers surgissent et perdurent parce que les ayants droit sont exclus de notre système d'identification. À titre d'exemple, on ne peut pas établir être le propriétaire d'un bien immobilier reçu en héritage quand on est incapable d'établir formellement et juridiquement son existence en tant que citoyen à partir d'une pièce d'identité, notamment l'acte de naissance grâce auquel la filiation peut être prouvée. Enfin, nous ne parviendrons jamais à mettre en place un système d'assistance sociale de qualité en faveur des populations en situation de vulnérabilité si elles ne disposent pas d'un document d'identité fiscale. De féliciter les élus du département de l'Antibonite et notamment des Gonaïves. Je veux parler des honorables sénateurs, du magistrat. On se réunit très souvent à Port-au-Prince et cela à chaque fois. Ils viennent nous rencontrer, c'est pour défendre les intérêts de leur localité, les intérêts de leur mandat. Je me permets aussi de remercier Monseigneur Péan et Monseigneur Victès pour vos prières qui me donnent de la force et du courage pour accomplir cette mission que Dieu m'a donnée, à savoir d'être le premier ministre de mon pays. Merci, Monseigneur. À partir d'aujourd'hui, la population de Gonaïves et celle des agglomérations avoisinantes ont à leur disposition tous les jours ouvrables un guichet unique où elles pourront accomplir toutes les démarches administratives en vue de se procurer tout de suite le matricule fiscal et rapidement les autres documents d'identité tels que carte d'identification nationale, les extraits des archives et qu'elles en feront bon usage et en tireront pleinement bénéfice. Merci beaucoup. Avec le gouvernement, spécialement avec le ministre Jacques Guy Lafontaine, avec le sénateur Latoti, le sénateur Cretave, le sénateur Gassa Delva, avec toute instance concernée, parce que nous, c'est pouvoir, nous, c'est PHTK, nous besoin d'intégration, nous, dans le pouvoir, nous besoin pour nous travailler, parce que nous ne pouvons pas le Chili, il faut que nous exécutif là à nouveau forme la concertation nationale contre violence qu'a fait.
sous forme actifi. Nous déclarer clairement réaliser bouchon programme pour combattre misère femme actifi. C'est pourquoi le conseil, c'est pour rétablir égalité entre femmes et garçons, entre petites filles et petits garçons. Même si nous avons fait toute action, objectif, développement durable, ODD, nous demandé nous faire, sans mesdames, qui représentent plus gros morceaux dans la société haïtienne, pas à participer, même si nous avons garçons, nous ne pouvons jamais développer, jamais. Développement tout bon vrai. Nous croyons que chaque leader, communauté, qui a petit fille et petit garçon droyé dans le département de l'Ouest, là, n'a fait démarche pour femmes et garçons égal et beau pendant notre travail pour nous éliminer toute forme de violence qui a fait sous forme et petit garçon, sous petit fille, tant que petit garçon, tout partout dans la société haïtienne. Nous engageons-nous pour nous rencontrer avec les représentants de l'État, nous. Notre département pour tout haïtien à la ronde de signer déclaration ça pour respect de l'amour kablaï dans le pays d'Haïti. Mesdames, je dis là, nous parlons de fête. Je dis là, c'est le jour international des droits des femmes. C'est le jour que toute femme dans le monde entier te marqué au plus important, nous te faire un pas. Mais je veux dis là, on garde devant nous. Mais le chemin qui était pour nous faire est encore long. Donc, une bataille pour nous mener. Il faut que nous menions une bataille pour que plus de femmes dans le Parlement. Il faut que nous menions une bataille pour que les femmes suspendent nous la vie. Il faut que nous menions une bataille pour que tous les filles nous enseignent pour continuer à l'école comme si on a sa droit, même si on a des garçons continuer à l'école. Mesdames, Messieurs, Dames, Président de la République là, son excellent Jovenel Moïse, il fait de politique égalité entre femmes et garçons que l'État haïtien a adopté depuis 2014, un axe important dans le gouvernement là. Je le dis, ministère des conditions femmes et de la femme, il y a une bataille que l'a mené dans ce sens. Mais l'autre, on dans notre ministère, tant que le ministère de la Justice, ministère de la Santé publique, que nous signons un protocole avec eux déjà, pour que nous formes sous les violences, pour jouer un certificat médical et que nous capter dans la police. Mais nous mettons en dans le commissariat des unités pour recevoir nos dames, mais sous les violences. Nous le dis, dans tout le travail qu'a fait, nous avons dit, nous encore longue. Les longues, mesdames, parce que nous ne pouvons pas accepter. Donc, mesdames, allez dans l'élection. Il y a des intimidés, il y a des battements dans eux, il y a des violences sur eux, il y a des tirés sur les mesdames. Nous ne pouvons pas accepter que la langue en pile. Mesdames, je vous le dis, nous avons pour devoir pour nous mettre nous ensemble parce que nous représentons environ 52% de la société. Nous représentons une véritable force. Et force à nous représenter, nous parlons seulement pour nous obsèdre sous le gant. Mesdames, il faut que nous boumons pour violence ralentie jusqu'à ce que nous capables de la société. Donc, faites vous mettez ça dans le monde entier. Haïti, c'est même fondateur des Nations Unies. Et c'est les Nations Unies qui te mettent ça sous pied. Mais dans le 1977, pour faire tout le monde songer, qui change femme, c'est un coquin chaîne pour dominer une société. Juste ça, supposé, il y a une pile d'activités tout partout pour faire bilan sur la situation femme. Activité pour faire lumière sur la société qui gagne pour femme et garçon vivent également. Juste ça, nous avons fait toute activité qui mette en valeur richesse qu'il tirait au pays dans chaque zone de la bonne. Pendant que nous réjouis sous bataille que nous faisons déjà, nous préparons-nous pour toute la bataille. Enfin, la femme actifie ma bien pour nous mener. Dans l'occasion de ça, nous profitons de toute femme militante qui est engagée pour une société plus équilibrée. Merci
et puis compliment. Merci à compliment pour courage, activité, vivre pour bien. Je vous ai pensé spécial pour femmes militants à droite, qui malgré les bagailles dit dépasser les îles. Je toujours que des femmes. Je toujours que des femmes là-bas. Pour mener un bateau de battement, un bateau de pays à bon port. Toutes femmes nord-ouest, toutes femmes bateau, et toutes femmes bateau qui sont dans plusieurs zones, dans le pays à pour participer à moi, dans aucune chaîne rassemblement ça, je profite de dire, j'aime bien de moi. J'aime quand on travaille avec nous, beaucoup de nous, pour nous faire la vie nous. Plus facile. Et si on n'a pas nous, qu'on est à travail qu'on fait dans l'autre côté, qui permet, l'humanité de mourir chaque jour. Bravo, mesdames. Beaucoup de chapeau pour nous. Journée internationale des droits des femmes
Chérie Mars, bienvenue tout le monde. Ce gala spectacle s'inscrit dans la ligne de l'ensemble d'activités que le ministère a mis sur pied pour commémorer cette date, combien importante dans cette lutte quotidienne pour la promotion, le combat, le respect des droits des femmes. Je dis lutte quotidienne, car il est important de rappeler que si aujourd'hui nous sommes réunis en ce moment, le ministère partenaire, les organisations féministes, les organisations de femmes ne cessent tous les jours de mener le combat tambour battant, de travailler sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie des femmes, de donner à ces actrices du changement les moyens de continuer la bataille. L'heure est venue de nous mobiliser, l'heure est venue de faire de l'amélioration des conditions des femmes et des filles une priorité. L'heure est venue de renforcer cette synergie entre les actrices et acteurs à tous les niveaux pour permettre un partenariat efficient pour faire face aux défis que nous rencontrons. L'heure est venue. Nous ne pas attendre encore. Continuons à faire bouger les choses et mettons-nous au service d'une population à qui nous devons un travail acharné et des résultats dans les plus brefs délais. Ça qu'on a constaté, Radio Guinée, dans les deux trois images qu'on a là, où on a vu que la population campée, levée campée pour qu'il y ait bel travail qui a démarré là. Elle dit son sentiment, son sentiment de joie, quand pour nous voir que le président pas seulement dit parole, de le parler, lui-même sa action le pose. Ou même, contribution par nous qui l'a porté, c'est assurer que le pouvoir contrôle que nous gagnons, hein, pour nous travailler de concert avec le directeur de départemental là, pour assurer que gens que travaillent, gens directeurs sont expliqués nous, pour travailler là, respecter et puis pour l'endélec que nous prévoir pour le faire. Oui, nous pensons qu'à 100% que la fête, l'organe de pouvoir contrôle que nous gagnons, hein, pour nous travailler de concert avec le directeur de départemental là, pour assurer que gens que travaillent, gens directeurs sont expliqués nous, pour travailler là, respecter et puis pour l'endélec que nous prévoir pour le faire. Oui, nous pensons qu'à 100% que la fête, mais l'organe de la départementale là, où est son technicien, c'est pas un monde qui vient faire politique, et le président, son monde, il dit en parole, il va jouer avec parole Maïsad, et Esh, ou Tomasik, je veux dire, nous démarrons avec Tomasik là, et moi, seul, ça m'a ajouté, et bien que nous déraguions le budget déjà, pour nous faire deux, trois caniveaux dans la ville là,
d'assurer que caravane dans tout passé mes prendre ville Instant parce que en tant que chef de département faut nous assurer que ville là gros l'autre image. Je dis à son gros événement. Donc nous sortis dans toute promesse que nous avons fait la population à Koulia là, c'est action qu'on a posée. Moi je veux saluer, moi je veux remercier le président de la République là également par le fait que il était toujours pour mettre mon domestique qui est route ça qui c'est un véritable défi pour la communauté, pour le département d'abord. Côté que le gouvernement qui est passé, il a toujours fait promesse, mais malheureusement, pas de rien qui est fait. Que vous connaissez le gouvernement Tim Tim Brassèche qui est passé, Nat Marinade, le gouvernement Nager pour sortir qui est passé, qui passé à promettre la population, rien n'est pas fait. Le gouvernement président Matelia, lui-même, vous connaissez, il y a qui était censé mobiliser pour faire construction de ça. Vous connaissez qui scandale ça a été fait dans la presse. Ça n'a pas jamais arrivé fait. Donc nous sommes pour capables de faire mais une enquête toujours pour nous connaître côté comme ça a été fait. Mais le président Jovenel Debassé Thomasik était toujours pour mettre mon population Thomasik là, Mounio, il dit gros événement ça veut dire que le lancement de sa fête à travers Caravane, c'est à travers le budget qu'on est, opposition, monde qui parle pour le pays à avancer, il était tout qualifié comme budget criminel. Je dis à mes budget criminel là. C'est ça que nous avons voté moi-même comme représentant Thomas. Deuxième bagaille là, c'est Haïti d'abord. Parce que Haïti, c'est pays. Haïti, c'est image nous. Là qu'il y a un gouvernement, il y a un président qui a volonté de travailler. Il faut camper ensemble avec elle comme représentant de la population pour que nous avancions. Je dis à la présidente Jean ou elle te promet mon Thomas, de dire la pleve des filles ça, je dis à l'île. Nous sous route, nous n'avons pas avancé. Jean ou elle directeur départemental là lui-même. Immobilisé. Il joue un collègue Piton qui est ensemble avec nous là parce que route ça, il y a d'abord trois communes. Obligation pour que nous travaillions comme un accord pour que nous soyons capables d'avancer, pour nous capables de développer la zone là parce que la zone là c'est zone nous y est, circonscription H Thomasik, c'est à la source qui est lié. Donc nous supposons avancer. Donc nous sommes capables de dire satisfaction aujourd'hui à son gros paillet pour Thomasik, pour le pays d'abord, parce que le président lui-même, il passait là. Ça c'est chaque vendredi toujours à visiter le travail. Il a toujours dit qu'il n'y a pas voulu, c'est sous WhatsApp pour avoir Bali, mais il faut la constater. Mais journée aujourd'hui, le président faut passer là, la visite de travail. Nous-mêmes, comme autorité dans la zone, comme député représentant direct population, nous venons faire lancement là, la route là a commencé là, et nous ça comme garantie bientôt. Ou bien penser que Téléguine a venu superviser, a venu retourner là, laisse ça, nous capables de merveille qui fait dans la zone là. Aïe Bobo, félicitations au président Jovenel Kembela, Parlement ensemble avec vous. Merci beaucoup. Route Thomasik Insp, toujours c'est un danger lié pour nous, tout avec la population. Dans la campagne président Jovenel, moi j'ai rencontré l'Inde dit lui, ça pour le bon nous, c'est route Thomasik là pour le bon nous, parce que le la pluie tombée, c'est la boue, le pas de la pluie, c'est poussière, nous pas qu'à résister avec lui. Il te promet nous, il te dit nous la bonne route Thomasik, aller H Thomasik. Mais je dis à nous senti et président pensez avec nous. Président te dit nous que la bonne route là, je dis à nous caravane lancé sur route H Thomasik et nous croyons. Tout le monde Thomasik Kounia qui attend de nous chaque jour qui a relé dans le téléphone, qui a dit nous, c'est menti à bail, ou c'est dans le risible à passer, nous, je dis à la réalité. Et nous disons merci à président, nous disons merci à député Tite de la Cruz qui va jamais laguer nous en maille, qui s'est pour député pas nous. Là, nous avons question de problème, nous avons à député à nous contacter, c'est lui qui aide nous, dans tout ça, nous avons fait nous-mêmes en tant que magistrat dans la ville de Thomasik. Moi félicite li, je suis content. Je dis à moi, je suis content pour Thomasik. Avec un chka fait là, il faut dire ces jours que je suis fait là, je me sens son fait parce que depuis que on fait une fête, on quoi fait. Je dis à moi, content. C'est ça que je me dis débuter titre. Merci en pile. Moi dis président Jovenel, merci en pile pour ça le faire pour nous-mêmes. C'est comme un centre nous y est. Vous là pas bon. C'est tellement route là pas bon accident fait, nous perdons chai, nous qu'on n'y a pas gain. Perdons chai encore qu'on y a c'est plonger la gueule. Tout le monde qui te dit c'est menti, président pas fait route là journée jodi a. Mon quoi tout content, yo tande lancement route ça. Depuis petit kembe nous là toujours.
M'dit député merci en pile pour bon travail la fait. Pas décourager député. Nous avec magistrat Thomas Sikyo, nous même nous ensemble avec. Merci président Jovenel pour ça faire pour nous. José a ou ban nous paradis ça. Route ça ban nous, c'est comme si c'est paradis à ou prend ou râler ou mettre nous dans paradis. Merci président. Merci député titre de la Cour. Dit et si tu gon mot t'es plus fort que gain et li que nous t'a employé parce que nous capable et sourire la population. Donc tout à l'heure là me sorte visiter parce que j'ai comme dit là me pas là en délégation avec et chef d'État sous l'Escaobas avec Belader, je suis passé là, regarder l'action qu'a fait sur route là, moi population questionné, mes amis, yo content, si moun kon grand moun apprécier ça qu'a fait là, avait dire son gain lié pour département parce que depuis département centre existe, c'est toujours les mêmes qui n'a que camionnette là. Elle veut dire à quelques minutes de ville de Port-au-Prince et dire pour que nous-mêmes nous t'es banalisé pour ça mais président républicain mettez nous sur un rail côté que nous gagnons nous capable dire sont fiers pour nous et si même prend un exemple que sous Belader côté que jodi on était sous Belader il lançait que et pral gon boulevard sous Belader côté que boulevard et président m'a estimé côté président te fait ville ça qui était supposé une ville moderne une ville qui pour faire contrecarrer avec Elias Pinas qui en face nous là et ben président république là président Jovenel Moïse prend ça en charge grand commission qui mettait sous pied d'où moi même c'est me quoi faire commission ça pour que et Belader pour que li finisse salter dans le temps gagne deux pelles mécaniques deux bulldozers deux rouleaux deux chargeurs craser côté que monde pour craser pour je viens côté pour monde passer donc les mêmes les sous chenilles il passe où donc il va pas prendre dans autre donc là n'importe monde vieux rock la cage pour nous et pour grader les mêmes grader comme nous dit moi dit donc la grader la niveler pour nous la décaper et la niveler pour nous maintenant que roule va venir après va venir compacter est-ce vrai mais ça va empêcher que nous gagner tout des belles mécaniques belles ça il y a la prendre matériaux dans n'importe qui rivière charger camion travailler avec lui tout comme l'odeur lui-même tout son l'odeur c'est une chargeuse liée la charger camion la plever tout matériau qui va bon pour la jeter nous manquons toujours parce que on a besoin et camion et pour transporter matériel la chenille le boy ouais on a besoin de camion citerne pour nous arroser là parce que là où il y a la pile poussière ouais. Bon nous pas gagner pour avoir fait travail mais nous gagner pour démarrer là ouais nous gagner près de 4600 gallons pour démarrer là qu'on y a là oui. Oui, mais avec attendre tout le temps qui va venir, on a travaillé sérieusement là. Bon, bien assurance parce que tout ça commence déjà, il n'est pas fini. Donc, ils vont collaborer avec nous. L'activité que nous avons eue, nous avons en partie culturelle, côté que la même femme pépinière nous fait vacuer, bien vin du théâtre, bien qui te vin déclamer pour leur famille, bien la culture, c'était un boîte de en poudre, c'est bien gerbe, c'est bien potex pour famille, c'est bien boîte à lunettes, c'est bien sous-son pour bébé, et c'est bien savon toilette, dans tout ça pour maman. Et maman était vraiment contente, elle était satisfaite pour eux-mêmes, mais nous-mêmes, nous pas arrivé satisfaire raison parce que il fait sens que nous avons écrit le pas répondre avec demande de c'est un haïtien et moi remet Haïti en pile après déclaration président Donald Trump t'a fait et moi t'ai touché trouvé que t'ai touché mon pile là que moi t'ai gardé Mark O'Brien qui sont américains il t'ai décidé venir en Haïti moi t'ai trouvé que c'est un devoir moral que l'ai pour moi-même pour que moi vienne en Haïti non seulement venir en Haïti mais parler dans côté que monde toujours valoriser
aller côté que nous connaissons que peuple a besoin de présence non plus. En tant qu'ancien élève Saint-Luc Gonzague, moi j'ai trouvé que puis mon côté que me t'a venir pour me toucher le plus que possible, c'était venir dans les répétitions. Et moi salue collaboration directeur équipe administrative là et moi salue collaboration Fondation Loke qui était très content là que me dit que moi prêt pour venir faire une conférence pour que j'ai bonne opportunité là. Et message clé que me gain pour étudiant avec n'importe l'autre haïtien, c'est pour connaître que sa société à Baoua gain pile stéréotype. C'est qui ça qu'on veut faire avec vous, c'est ça qui est l'élément important qu'on suppose qu'on est. Est-ce qu'on veut réussir? Est-ce qu'on prêt pour prendre action? Est-ce qu'on prêt pour faire sacrifice qui est nécessaire? Parce que journée aujourd'hui, c'est pas parce que qu'on va vivre en Haïti ou supposé décourager, c'est parce que qu'on en Haïti ou supposé motiver ou supposé déterminer pour changer condition la vie ou, et changer condition de monde qui n'a environnement pas. Objectif là c'est justement venir présenter en conférence et montrer et élève lycée pétition yo côté positif et côté négatif la vie. C'est exactement ça que c'est à dire montrer yo pour que yo gon estime de soi, pour que yo valorise tête yo, parce que il y a des questions que yo poser qui étaient des questions très personnelles et que moi j'étais obligé d'aller honnête avec yo. Il y a toute une préparation qui préparé sous computer, même t'ai réalisé que plus belle façon que m'ka authentique avec aussi aller dans conversation cœur à cœur avec yo. Et papa m'était là pour que moi t'ai faire des illustrations très intéressantes pour que montrer yo dans la vie m'étais obligé faire des sacrifices extraordinaires. Moi sorti Gonaï, moi prend inondation Jeanne en 2004, moi prend inondation Anna en 2008, moi prend 12 janvier en 2010. Ça dit que ça yo c'est très représenté en pile obstacle qui fait m'te gen droit décourager. Mais là que moi arrivé dans opportunité côté que me dit comme ça me supposé briller, là que Franck Duval te bon opportunité pour me travailler dans le Nouvelliste, moi fait exactement ça m'était supposé faire. Moi al travail, moi formé tête moi et ça te vient ouvert opportunité pour moi pour que me t'aille étudier en France dans université Paris 8, m'aller moi faire communication, moi vienne traverser aller étudier aux États-Unis et qu'on est à moi travaille pour Problex, moi fait human resources, moi aussi fait customer service, m'a gradué dans University of South Florida et in Tampa le 7 mai qu'a venir et m'a commencé nouveau travail moi le 21 mai. Moi je voulais valoriser jeune, moi je voulais comprendre que le travail qui est supposé fait qu'on y a, il est supposé un travail de base, il est supposé commencer jeudi à même. Il n'est pas qu'à commencer demain si je veux parce que trop tard, nous avons fait trop de temps en retard. J'ai 30 ans, j'ai gardé de 87 à journée jeudi, c'est bac seulement qu'on a fait. Il est vraiment important pour qu'on y a nous investir dans le monde. C'est parce que l'autre pays a investi dans les citoyens par eux qui fait journée jeudi, bon mal aux États-Unis. Mais qui est-ce qu'on a commencé à valoriser pour qu'on investisse dans les Haïtiens par nous? Ma pièce ambition politique, j'aimerais que ça nous tous nous comprenions. Mon seule ambition, mais que chaque haïtien comprenne que ça que vous m'avez fait, vous m'avez investi dans la tête, vous m'avez joué un support à l'autre. C'est très critique pour que les gens regardent dans la télévision, Dominicaine République, à innover, à créer des barrières qui sont très intéressantes. Pendant ce temps, nous-mêmes haïtiens, nous ne gagnons rien. Nous étudions le business, c'est parce que nous avons choisi de faire ça. Je comprends que l'État haïtien est capable de faire des bagailles qui ne sont pas en faveur de la population. Et je souhaite que les citoyens de 10 jeunes qui ont gardé, je ne veux pas supplier au fond seul bagaille. Jeunes, c'est ce que je souhaite parler avec eux. Et vous-même qui avez gardé, je crois que nous avons une potentialité. Je crois que nous avons une vision. Je crois que nous avons une détermination pour changer les conditions de vie. Nous avons une chance. Bah on chance pour que demain si Dieu veut pour que on capable dire Haïti on pas quitter mais c'est non ou que me rester pour que nous investir. Faut la seule qui gagne 4 axes qui c'est éducation, santé, sociale et puis diplomatie. Et comme ma grand-mère son ami lié depuis dans Nouvelle-Liste comme ancien journaliste, il dit que la batterie Haïti. Il dit que il t'aime faire des conférences pour des jeunes. Comme on est de nos jours, jeunes manquent au père, manquent modèle, manquent et monde qui pour booster eux. Il dit qu'il a fait conférence sur plusieurs en série de conférences. Comme liste de l'étude, c'est un lycée que j'ai dépassé comme président de la Fédération, qui me dit que j'ai fait la liste de l'étude. Et là, avec M. Mathurin, il dit que c'est une belle idée qu'on a fait une conférence dans la lycée. Et je dis là, je pense que c'est une bonne initiative parce qu'il avait été bien approprié avec la conférence. Là. Et c'était émouvant que les élèves étaient à prendre un pile de conférences. Et je pense que je dis là, il y a une avec de nouvelles perspectives, de nouvelles idées, des idées innovantes qui permettent que au moins je dis peut-être au sérieux, de prendre vie en main. Parce que jeunes aujourd'hui là, ils sont déboussolés, ils sont découragés, ils sont perdus. Parce que j'aimerais dire que pas de modèle. Parce que les pays sont pays qui engrégés par la corruption ou que les jeunes ne gagnent aucun repère. Parce que les conférences comme ça permettent que les jeunes prennent confiance et destin prennent en main. Parce que pour vivre dans la vie, il faut qu'au moins destin prennent en main. Comme dit Bill Gates. Si tu es né pauvre, c'est votre parent, mais si vous mourrez pauvre, c'est faute pour que les jeunes ne baguent qu'un repère. Parce que les conférences comme ça permettent que les jeunes prennent confiance et destin prennent en main. Parce que pour vivre dans la vie, il faut qu'au moins destin prennent en main. Comme dit Bill Gates, si tu es né pauvre, c'est votre parent, mais si vous mourrez pauvre, c'est faute. Je ne veux pas dire après être au sérieux
et quelque chose à côté où il y a que en Haïti ou bien Chili ou à d'autres pays où il y a que vous connaissez priorité au même pour décider dans mes oliers. Merci. D'accord. Docteur Ferre, avocat Ferre, personne pas parfait. Donc l'on va diriger, quitte son petit boutique, quitte son fondation. Journée mondiale femme et que l'organisation que vous structurez dans qui c'est un comité femme d'accord et que nous trouvons les opportun je dis que vous nous réaliser une si belle activité pour nous rendre hommage à mesdames Saoudi, c'est matrice organisation. L'organisation d'accord jeunesse Haïti a travaillé depuis dans l'année 2014. Et que structure forme en lui-même depuis la naissance 27 décembre 2017. Donc, on n'a rien pas avancé. C'est une raison qui fait que je dis à moi très fier et mon gagne un paquet de mesdames très compétentes qui campent sous panel social. Je suis intervenu dans l'activité ça en tant que femme, son femme de combat, son femme vainée. Et nous toujours aimé comme si participer dans de en société parce que nous gardons dans le Parlement, nous voyons que la femme est vraiment pas respectée. Nous avons un député de l'homme, un sénateur de l'homme, il est vraiment pas respecté. Nous avons fait éducation, nous voyons juste comme si pour reprendre valeur femme dans la société haïtienne. D'être ça, nous voulons dire un grand bagage pour nous. Comme moi, je dis, c'est un cours et pas chaque 8 mois, nous voulons comme si, pour toute femme, ou bien toute, quelle que soit femme, vous mettez une jeune fille ou bien une femme, comme si pour pencher de femme. Nous voulons comme si pour nous faire connaître qu'il existe dans la société. Il faut qu'il y ait utile dans la société. Il faut comme si vous avez un mécanicien, quand vous avez une branche mécanique, pour qu'il y ait utile tout. Dans la branche, dans n'importe qui branche. Dans l'éducation, il faut que ça soit utile tout. Dans la politique, tout. Politiquement parlant, il faut que ça soit utile tout dans la société. Leadership, c'est un groupe de jeunes étudiants et qui fondé dans et sur le leadership. Donc dans le motif que nous avons pour nous capables d'œuvrer dans le social, donc c'est ça qui fait que jeudi à là, que nous avons organisé l'activité pour des jeunes écoliers qui sont dans la commune Carrefour là. Et des jeunes écoliers déjà qui ont subi et en activité, c'est une conférence que nous organisons pour des jeunes écoliers et que nous avons deux panels qui sont composés d'Edgar Gélard et professeur Jean-Marie Aldipierre qui sont un spécialiste en question de niveau secondaire. Là. Parce que la question de niveau secondaire, là, c'est un bagage, c'est une question qui est tout à fait sensible dans la société haïtienne. Là. Parce que nous ne sommes pas une société, nous ne sommes pas un pays que nous allons faire ce qu'on va faire sur base éducation. Et d'ailleurs, je vous dis là, nous avons regardé que nous avons une éducation qui est tout à fait sur l'éducation qui est importée. Et si nous sommes capables de faire dans sorte de agrégat, vous nous avez dit que ce éducation ça, c'est une éducation que nous avons supposé éduquer d'abord. Et après que nous avons là, docteur Frédéric Larosilière, qui est psychologue et poète, et qui a vu intervenir sur notre sujet, qui c'est quel engagement patriotique, civique et moral pour une fructueuse éducation. Donc, docteur Larosilière, vous venez là avec le sénateur général Sénatus qui t'a supposé là. Donc, sénateur Sénatus, qui est en réunion, qui est un inconvénient que nous avons là. Mais docteur Larosilière, qui va intervenir tout à l'heure, sur le sujet ça. Nous faisons une façon qui est mixte. Mais nous parlons de mixte, nous parlons de des collèges et des lycées qui viennent dans la commune Carrefour là. Et nous avons plusieurs écoles, des écoles congréganistes, tout ça, d'autres collèges, et tous les lycées qui viennent dans la commune, tous les deux présents à Rodia là. Et après ça, dis-nous, est-ce que c'est une activité organisée ou est-ce que c'est une activité organisée?
Oui, nous avons su organiser genre d'activité ça. Mais conférence ça, qui est en virgule ça, donc c'est pour la première fois que nous faisons. Nous avons su faire activité, mais qui part pour écoliers. Donc c'est la première fois que nous faisons activité pour écoliers, mais nous faisons notre activité qui plus ouvert le cadre pour public et qui pas tout à fait ciblé. Donc on a fait des formations sur le leadership, sur l'entrepreneuriat et tout ça, sur le marketing. Donc comme il y a des avis qui va assez qui fait. Nous avons commencé à dégénérer altement de notre façon pour nous épuiser le jeudi dis là. Donc c'est ça qui fait que nous sommes spécialement déplacés à l'école, à l'inviter l'école, à l'inviter le directeur, à l'inviter le professeur. Parce que nous avons des qui sont sensibles dans la société haïtienne, qui sont nous-mêmes en tant qu'haïtiens qui pouvons être ici avec elle. Parce que nous avons des cultures qui ont acculturé, de tout notre société noire qui a déculturé. Donc nous avons des choses pour nous faire. Nous avons des engagements pour nous prendre. Et engagement, nous sommes supposés commencer là. Engagement, ce n'est pas sorti pour aller faire jeune avec une suffisance intellectuelle. Côté que on va le prostituer jeune mentalement ou moralement et que tout il y a des autorités qui a tiré des profits donc qui pas gain aucune finalité morale qui pas gain aucune finalité côté jeune dans niveau de profit personnel donc maintenant où est la motivation personnelle et que va lancer dans l'éducation haïtienne là qui côté que montre jeune dans lui-même qui côté que il va suivre côté demain que il assuré là donc si il a fait bagaille il essaie entraîner nos bagaille et puis tu pas comprendre qui ça lié. Donc, nous sommes capables de dire que c'est un fou-fou. C'est un fou-fou, un fou égaré. Donc, mais c'est qui ça l'a fait? Il y a des gens qui ont une question et il y a un niveau secondaire, donc qui côté que lui sorti, qui ça, qui lui exactement. Donc, et il y a des jeunes tout, qui juste parlé de l'éducation, mais il y a qui ça l'éducation et dans la société. Il va prendre en dehors éducation ça, une façon que capable pour éducation ça, métamorphoser, le transformer et puis tout va avoir un succès qui collectif. Par rapport avec le problème qui a posé, qui est question de transition entre l'école traditionnelle avec le niveau secondaire, si tout le monde a considéré quantité de déséquilibre social, ça cabaille. Parce que le monde qui est dans le niveau secondaire, là, il est toujours dans la même génération avec une qui est dans ce système-là. Mais quand on arrive à aller sur le même marché de travail, donc, nous devons considérer ça. Déséquilibre comment si nous tous d'État, si deux mondes sont du État, allez dans le même domaine, gagne quand bien avantage sur l'autre parce que lui-même il gagne plus qu'on ne sait pas dans quel domaine que peut-être entreprise capable a besoin donc là ce marché de travail là l'état déjà créé des équilibres entre deux mondes faut qu'il essaie de résoudre ambiance là c'est une très bonne ambiance parce que tout autant que gagne apprentissage tout autant gagne opportunité pour connaître plus son bagage encore mieux donc Abdesna toujours favorable à ou même pour sentiment aise Abdesna très excellent parce que il y a une interaction qui a fait entre élèves et avec intervenants côté vraiment connu qui ça qui niveau secondaire là un système que vient mettre dans système éducatif et haïtien en façon pour qu'a aider nous faire échafaud de système traditionnel là pour nous venir dans nouveau secondaire. Donc, j'aime vous lancer un ambiance qui est vraiment attrayant côté nous-mêmes et les vieux nous sentiments pour nous appeler. Est-ce que c'est la première fois que tu m'as En fait, oui, c'est le premier débat que conférence que moi participé sur le niveau secondaire. Et à ma satisfaction, moi, je me senti moins à l'aise, je me senti moins bien ému par rapport à gens intervenants interagir. Donc oui, c'est le premier et conférence que moi gagne pour moi suivre sur le niveau secondaire. Bien avant que moi vienne sur la conférence, moi j'ai une idée de qui ça qui niveau secondaire, mais ça vient de moi complémenter ça que moi gagne comme connaissance sur le niveau secondaire. Donc ça vient me permettre moi gagner une bonne connaissance de niveau secondaire là et j'aimerais qu'à dire et ou qu'à constater que niveau secondaire là c'est un système qui fait venir en Haïti côté mettez pour permettre jeunes et produire par projet même émanciper savoir là en façon pour que c'est eux-mêmes qui a produit côté professeur pas camper de manière magistrale pour enseigner mais côté élève à lui-même à mettre compétences en valeur à montrer comment un tel sujet telle matière comment que l'ICA excelle comment que l'ICA interagit par rapport à professeur c'est comme si nouveau secondaire c'est ça lui-même c'est une sorte de système qui permet que ces élèves là vraiment qui a essayé fouiller pour y jouer ça qui gagne dans une matière. Et selon moi-même, est-ce que vous pensez que le système d'éducation est déjà prêt pour nous secondaire dans le pays face à tout problème système
Est-ce que le système... Est-ce que nous sommes déjà prêts et pour le système là, intégré et nouveau secondaire? Avec nouveau terre. Divergence qui gagne, c'est que yo le fait les vieux émancipés, il est là, mais c'est que yo pas vraiment arrivé à théorie, arrivé à faire ça que yo gagne pour faire. Donc, question te posée avant, différence qui gagne entre CNT avec Kounia et qui difficulté qui vient gagne, ça prouve que différence qui vient gagne, yo vient un petit jeune minime parce que yo pas vraiment arrivé et émerger de la nouveau secondaire pour quitter traditionnel là et que pour arriver, vient tomber d'aplomb dans la façon que yo te voulait construire nouveau secondaire. C'est comme si vous sentiez que nouveau secondaire là, il n'est pas atterri, idéologie là, mais de manière concrète, il n'est pas vraiment, vous avez vraiment nouveau secondaire qui t'a supposé gagner du point de vue canadien, je nous ai dit, vu que c'est un système qui sorti du Canada. Donc, nous n'est pas atterri vraiment à ça qui est nouveau secondaire. Donc, la difficulté qui gagne, c'est que l'élève n'est pas vraiment gagné le but de ça qui est nouveau secondaire là, il n'est pas vraiment qu'à inclure dans le système nouveau secondaire qui gagne. Normalement, moi toujours crois que li mieux, li préférable, li pi bon pour lorsque on a sorti de un bagage qui gagne mauvais côté, qui gagne inconvénient, pour éluder tout ça qui pas bon dans le système qui te gagne avant, pour dire moi c'est plein, le système ça te gagne tel bagage qui pas bon, mais comment que nous allons changer par rapport à l'autre système non? Parce que Jean Kawéan, si on te fait ça bien avant, le problème que a vu rencontrer dans le niveau secondaire là maintenant pas la poser. Parce que professeur yo bon pour avant yo te mis en campagne mette jeune yo qui vient pour venir des élèves du niveau secondaire pour venir connaître qui ça qui niveau secondaire là apprendre comment yo va l'adapter pour lorsque arriver là-dedans pour pas arriver de manière et bout de secours, comme s'il n'y a pas vraiment un but, pas qu'on sait vraiment qui est nouveau secondaire. Mais si tu es une campagne qui t'est menée, tu as vraiment nouveau secondaire, bien avant de connaître que c'est salé, c'est salé. Donc, moi là-dedans, ça m'a dit en apprendre de lire, le minimum que tu apprends par campagne que tu es menée. Donc, ça a vu me permettre, à chita dans le nouveau secondaire là pour moi élargir tout champ de connaissances que j'ai à travers le nouveau secondaire là. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, il m'est parvenu cette chance d'être ici pour essayer d'élaborer sur le nouveau secondaire. Nous savons que le nouveau secondaire est un système d'apprentissage mettant l'élève au centre de tout avant que le professeur, il est un guide avant le professeur. Tout d'abord, dans l'ancien système, nous savons que le professeur n'était qu'un dictateur de connaissances. Mais dans ce nouveau système, appelé nouveau secondaire, proprement dit, on met l'élève au centre de l'apprentissage. Et maintenant, il nous est parvenu cette chance de suivre une conférence de M. Jean-Marie. Dans cette conférence, on nous a parlé du système en place, le nouveau secondaire. Mais c'est alors que nous constatons qu'il y a beaucoup de défaillances, beaucoup de failles dans ce nouveau système appelé le nouveau secondaire. Tout d'abord, en 2007, ce système est parvenu à Haïti. C'est un programme, selon les dire, haïtien ou canadien. Le gouvernement français était de mise dans ce programme. Mais, l'action du programme, pendant que l'État en question n'a même pas formé les professeurs, il n'y a même pas une formation au préalable des professeurs. On a parlé de généralisation du nouveau secondaire. Pendant ce temps, on n'avait que 3 mois pour préparer les professeurs. Alors c'était vraiment triste de voir que quand 2014, qu'en 2014, qu'on a dit qu'on allait généraliser le nouveau secondaire. Et alors on l'a fait sans qu'il y ait une formation des professeurs. On peut dire que maintenant c'est le nom qui reste, il n'y a pas vraiment du nouveau secondaire. Il n'y a pas vraiment le nouveau secondaire. Quand moi-même, je suis un élève du nouveau secondaire 4, mais je savais comment fonctionnait le système. C'est pour ça que j'ai dit qu'on s'apprêtait à mettre les bases du nouveau secondaire. Mais avec la généralisation, tout a changé. On essaie de généraliser quelque chose qu'on n'a même pas l'idée, vraiment. On s'apprêtait à mettre les bases, mais tout a changé. Bon, je suis très content pour cette formation. J'ai pu savoir comment ce système fonctionnait d'antan.
c'est-à-dire le système traditionnel, et comment qu'on est venu avec le système du nouveau secondaire qui n'est pas encore atterri en Haïti. Wilda, moi c'est un élève Eddy Pascal. C'est que pour conférence qui était jeudi, on m'apprécie parce que il fait apprendre des séries de bagages que pas de connaître. Même l'aime pas faire trop adapté avec système ça fait ça parce que l'État pas vraiment il est supposé faire ça, il fait jeudi, il est supposé faire avant que nouveau secondaire là t'ait commencé. Mais on croit c'est une bonne idée pour jeudi, hein, parce que lui fait élève mieux comprendre mieux qui ça a fait, qui ça capable tenir puis devant. C'est tout ça que me décadit. Merci. Bon, conférence et jeudi, hein, il était basé sur le nouveau secondaire. Et il fait différence entre nouveau secondaire et ça avec un système, ancien système qui était gagné. Hein. D'après le nouveau secondaire qui vient gagner, le système nouveau secondaire là, il est plus adapté avec nous-mêmes et jeunes haïtiens comme si jeunes étudiants, parce que d'après moi, l'ancien système là, nous avons étudié et toute matière ensemble, comme et sciences sociales, ou sciences sociales, dans mathématiques. Ou dans sens naturel, c'est un sorte de bourrage de crâne que lui a dit. Mais avec le système ça, il est plus adapté pour qu'on ait qui sort, qui bon choix et pour performer leur grand, comme si pour adapter nos système côté performant. Et tout ça me dit de nouveau secondaire là. Mon parmi c'est Simon Benji, mais l'école institution Mix Frère Joseph et Coplage 24 Carrefour. Alors, qui m'a participé dans le débat comme ça? Et coupé qu'il y a parlé de nouveau secondaire. Alors, je dis là, je ne crois que nous pouvons parler de nouveau secondaire, même qu'il y a un peu de temps établi dans quelques écoles dans le pays. On ne peut pas parler de nouveau secondaire sans que le professeur ne soit pas recyclé. Nous sommes dans un ancien système, côté que nous sommes dans un système côté éducation qui est nettement archaïque. Pendant ce temps, nous sommes venus et le ministère est venu avec un système côté la parler de nouveau secondaire. Alors, pour nouveau secondaire, pour tes nouveaux secondaires, faut professeur ait des formations pour former les élèves. Est-ce que on parle de nouveaux secondaires sans que ou pas préparer professeur? Alors qui résultat pas gagné? Moi crois que l'État ici est beaucoup prêt et pour parler de nouveaux secondaires. Alors pas qu'à parler de nouveaux secondaires sans que ou pas résoudre le problème manger à notre pays. Alors l'élève va apprendre sans qu'il pas manger. L'élève là tout comme une classe longtemps. C'était pour une heure, il va capable de à cause du gangou. Et je ne veux dire moi crois que nouveaux secondaires c'est 6 heures pour 4 heures. Comment on va le faire? Alors avant de parler de nouveaux secondaires, parce que nous capables de résoudre, nous devons résoudre le problème et manger à notre pays. Merci. Après un pile bataille qui menait, un pile palais en pile, qui était gagné dans les affaires, sous affaires jetées à hasard dans le pays, sous un pile menace que nous recevons à la main de monde qui l'en jette là, sur des tenances tout puissant. Le gouvernement créé une commission interinstitutionnelle qui vient là-dedans, le ministère des Finances, le Trinational, le financier Bolletio. Je m'a rappelé pour tout le monde que la commission de travail réunit environ deux jours par semaine. Il y a travail et la première commission, je l'ai dit là, bientôt a un résultat qui est de grands pas qui fait. On félicite le gouvernement pour ça. Et nous espérons que le résultat va sortir, financier, intérêt, jouer hasard en général. Il faut que nous disions que pour la commission ça, la travail, pour la commission de travail, sur reconnaissance de dette que l'association a gagné pour le trien depuis 4 ans qui passent. Et deuxième commission, la travail pour renforcer le tri national, pour nous avoir un partenariat, pour nous avoir plus. Nous avons fait jouer dans ça pour plus pour nous connaître qui roule le triant, qui ça l'a fait et qui côté lié. Et souvent forcément, jouer dans ça dans le pays. Nous, tout le monde connaît dans l'occasion 90e anniversaire de l'Autri National, nous avons créé un produit qui était le 90, qui fait chemin, qui finit avec 4 millionnaires.
premier tirage a été fait le 23 avril 2017, deuxième a été fait le 28 mai, l'occasion fête maman, troisième a été fait le 27 août, l'occasion entrée des classes, et quatrième a été fait le 17 décembre 2017. Là. On a dit pour auditeurs et téléspectateurs, nous te mettons dehors un producteur les boules Madiga qui finit le 16 février 2018. Là. Je dis, nous connaissons que hier c'était vraiment une journée internationale FOMIO. Nous sommes par respect pour le mouvement, par respect pour le féminisme à travers le monde, spécialement pour la bataille pour l'émergence femme dans le pays. Nous sommes réservés aujourd'hui pour nous parler de l'automamie qui prend pour ce produit. Nous avons gagné pour honorer maman yo, qui a gagné de partenaires dans le secteur privé. D'ailleurs, nous avons reçu deux mots déjà. Nous avons un partenariat avec l'Union nationale. Premier, c'est premier loi, c'est 1 million de gouttes. Deuxième, c'est 200 000 gouttes. Troisième, c'est 100 000 gouttes. Avec un pile prime de consolation. Démocratie pour moi, pour nous, c'est être ensemble, qui est content, qui est posé. Entre temps que ces dirigeants qui ont divisé propre haïtien avec haïtien. En 1987, yo officier d'état civil a touché même l'argent à un juge de paix titulaire. Vous avez touché 1750 goudes. Le commissaire gouvernement a été touché 2500 gouttes et le CEP secrétaire de l'ambiance au ministre a été touché 7500 gouttes. Trois fois l'argent que le commissaire a touché. Grâce à l'effort de l'organisation ADAMA, qui est l'Association nationale des magistrats haïtiens, eh bien, aujourd'hui, le commissaire a touché plus que 78 000 gouttes. Ça veut dire. Il y a une avancée qui fait pour le commissaire. Et il y a une avancée tout qui fait pour le juge de paix, parce qu'il y a plus que 64 ans d'augmentation. Et l'officier de la civile lui-même, qui a travaillé aussi important que le juge, parce que sans eux-mêmes, on ne peut pas aller à l'école, sans eux-mêmes, on ne peut pas voyager, sans eux-mêmes, personne ne peut pas être chef dans le pays. Et il y a seulement 14 000 goudes. Il y a une pitance qui n'a pas même faire rien avec lui. Le sens ça, monsieur, obligé de mettre sous pied. Il y a des outils pour permettre qu'on défende les droits fondamentaux. Parce que ce n'est pas normal pour nous, un pays qui a deux poids, deux mesures. Et c'est la raison ça qui fait moi, Raymond Lavius, moi, conseiller, parce que même pas officier. C'est employé ministère, c'est président du syndicat ministère là. Mais je ne trouve pas normal, pas juste. Si je défends le droit à mon ministère là, je ne pense pas à greffier, je ne pense pas à officier de la civile, je ne pense pas à ici. Officier de la civile, officier de la civile du pays d'Haïti, trouvez nous un passe très difficile. Raison exactement, nous ne pouvons pas nous bouquer. Ils ont très minimisé le service. Et l'office des états civils dans le pays, c'est la porte d'entrée des citoyens. Un citoyen n'est pas capable de rien dans le pays hein, si il n'a pas gagné un acte de naissance qui est rédigé par un acte de naissance qui est rédigé par un officier d'état civil qui est accrédité pour ça dans le pays. Deuxièmement, un monde n'est pas capable d'aller à l'école s'il n'a pas gagné un acte de naissance. Ou moun pas capable de régler un yen dans le pays, ou pas capable de gagner un passeport, si ou pas gagner un acte de naissance qui passe devant un officier d'état civil. La journée aujourd'hui, l'office d'état civil dans le pays n'a presque pas fonctionné. Parce que, pas de matériel, nous pas de bureau pour nous travailler, la plupart de nous pas de clerc, en pile dans nous. Pas de clerc, c'est celle de l'officier d'état civil, la claque pour Paul, en pile dans nous. Nous n'avons pas gagné un bureau côté pour nous travailler, bureau nous pas gagné matériel là-dedans pour nous travailler, nous n'avons pas gagné forme, etc. En vertu de tout ça, voilà de 1987, les officiers de l'État civil ont touché même comme avec le juge de paix.
Et la journée aujourd'hui, j'ai des paroles touchées. Plus que 60 000 gouttes, alors que j'ai des paroles touchées. Ça qui est plus lisible pour nous, yo bay officier, yo bay JDP sa yo. Yo augmentation yo bay JDP yo presque égal à salaire yo officier d'état civil. Nous trouvons ça son injustice. Peut-être son injustice que le ministère a fait subconsciemment. Mais ça n'a pas demandé le ministère pour redresser cette situation ça. Pour redresser cette situation ça, pour capable mettre tout officiers d'état civil dans l'état pour fonctionner. Et puis, pour payer officiers d'état civil tout salaire convenablement que vous devez pour payer, que vous avez compte payer auparavant, pour qui ça, je dis. Objectif match ça, c'est pour ces populations qui réclament exactement ça qui revient au de droit. Là, par exemple, nous avons marché Fontama à La Rochelle, machine à rentrer sur le chariot à tuer, motocyclette à tuer. Là, nous gardons l'hôpital Sibi Continental, tout l'argent et tous les rapports Sénat indexés ont dit que comme ça, on a débloqué déjà pour le projet ça. Et ces deux projets ça, population 3 en le troisième nom. Et par contre, nous sommes au campé, c'est des mazis qui campent là. C'est l'objectif ça qui fait aujourd'hui où est gros match pacifique ça, où est tout le monde ça représente en dedans machin. Bon, c'est aujourd'hui, c'est après, nous faisons première conférence de presse, nous faisons deuxième conférence de presse, nous faisons troisième conférence de presse, nous faisons au premier match pacifique, nous faisons deuxième, je veux dire ça fait un troisième. Jusqu'à maintenant, l'État, pas grand monde qui vient chita, vient parler avec nous, vient demander exactement qui besoin. C'est contexte ça, c'est objectif ça. Mais nous avons toujours un mot d'autre là. Gide côté que nous ne voulons pas arriver et nous prenons en pile, nous avons pile maîtrise, je dis pour nous toujours continuer à faire match pacifique. Mais nous ne voulons pas arriver dans l'autre dimension. Nous souhaitons que l'État lui-même, nous souhaitons que le gouvernement, pour son mouvement, pas de vivre, pas de bas. Mais si nous arrivons dans nos dynamiques, nos positions, côté que l'État a mis pour nous dire à bas, nous avons dit à bas. Mais l'essentiel, la population a décidé, je dis, hein, c'est lui-même qui peut destiner en main pour la demander l'État. Il y a ce type de l'État, mais qui a besoin en termes d'infrastructure. Ces populations en entière qui campaient, qui a réclamé droit. Nous-mêmes, dans nos victoires, une nouvelle vision pour notre troisième circonscription. Nous disons, notre troisième circonscription pour le prince possible. C'est ça qui fait, nous avons un signal clair. Aller. Ça fait que nous décidons de faire bagaille pacifiquement jusqu'à présent. Donc nous souhaitons que l'État haïtien, administration ça, gouvernement, tant de voix mon troisième circonscription, site de décharge, côté monde vient faire tout genre d'activité, vient faire besoin. Donc nous pas qu'à continuer à vivre nos situations pareilles. C'est ça fait que je dis, nous prenons l'arrière, on l'autre fois encore, nous te faisons un match pacifique. Déjà, l'envie fait match pacifique là. Vous pas attendez nous. Nous écrit la presse. Vous avez droit à la vie. Donc, faut que nous nous marchions. Faut que nous aménagions place Fontama à 43 parce que c'est le seul espace de loisir que nous avons dans la communauté. Donc, c'est toute revendication ça. Faut que nous l'école professionnelle. Faut ramasser Fatra dans la troisième circonscription pour Bordeaux-Bressan. Je dis, pour nous, pas besoin d'habiter dans la troisième circonscription pour miser mon troisième circonscription, pour état circonscription. Si seulement passer sur route nationale là, faire coup de à gauche à droite, ou peut pile fatra, ou après canal ou pas curé, ou après pas gagner route, ou après pas gagner espace de loisirs, ou après pas gagner l'école professionnelle. Je dis, nous ne prenons pas l'arrière pour ni les vivre, ni aller à bas, mais nous prenons l'arrière pour nous dire marcher, il faut pas nous marcher, il faut pas nous l'hôpital, il faut passer mes sous place, il faut pas l'école professionnelle. Donc il faut pas nous tout ça qui revient nous de droit. Non, troisième circonscription Port-au-Prince.